Pour résumer Biocrèche, j'ai décidé de travailler sur l'amélioration continue dans le développement durable, de permettre ou mettre tous les moyens nécessaires à cette application de ce nouveau modèle. Ils font de la RSE à tous les étages, c'est-à-dire que vous prenez la politique RH, le management du dirigeant, l'activité même, les constructions, la nourriture pour les enfants, le nettoyage, dans tout ce qu'ils font, il y a de la RSE. C'est extraordinaire. Nous avons des établissements qui sont de taille humaine. Le principe d'une biocrèche, c'est d'essayer de recréer une petite famille. C'est d'ailleurs pour ça que même dans notre fonctionnement, on travaille en âge mélangé. On a beaucoup d'ateliers, on plante un potager, on va bientôt planter des arbres fruitiers. Ça passe par quatre grands points. Le premier, c'est l'aménagement. On se place notamment sur la construction durable de nos établissements. Le deuxième, c'est l'hygiène de la structure, l'hygiène des enfants, donc avec des produits aussi en développement durable, éco-certifiés. Le troisième, c'est la nourriture, qui se veut avec une majorité de composantes d'agriculture biologique, mais qui se veut aussi, dans ce côté durable, local. Biocrèche a décidé, depuis sa création, de ne se fournir qu'avec de l'énergie provenant de sources durables. Le recyclage, on a une traçabilité de ces déchets. Les plastiques sont recyclés, les denrées alimentaires sont compostées. Nous compensons nos émissions carbone en participant à des programmes de reforestation, qu'ils soient français ou qu'ils soient internationaux. Nous compensons la totalité de nos émissions. Au niveau financier, notre travail avec le Crédit Coopératif, la NEF, un fonds d'investissement qui met l'accent sur ce côté durable, la comptabilité durable au sein de notre entreprise valorise ces actions et ces décisions. On voit par cet intermédiaire qu'on a vraiment une vision circulaire, globale de cette activité. Nous pouvons afficher un coût supplémentaire par rapport à un établissement standard d'à peine 10%. Mais nous avons un retour sur investissement avant 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 5 ans, nos crèches en exploitation coûtent moins cher qu'une crèche standard. Donc il y a un investissement à effectuer, un petit effort supplémentaire à faire au démarrage, mais celui-ci est très valorisé d'une part par la satisfaction des usagers, la satisfaction des partenaires et la satisfaction de l'environnement. On a donc 4 crèches en exploitation pour un total de 150 berceaux gérés. On a beaucoup de programmes en cours, 3 programmes en construction, 4 en signature et encore une envie évidemment d'accélérer notre déploiement, principalement Paris Île-de-France, mais avec de grosses envies d'aller sur d'autres territoires et d'autres régions en France.